Bon matin, comment ça va? Comment ça va, Terrebonne? J'espère que vous allez bien. Laval et Terrebonne, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Lentement, mais sûrement, on se dirige vers la fin de cette série visionnaire automnale sur disciples. Pourquoi? Notre mission, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Notre vision, ce pourquoi on travaille, nos prières, nous prions et œuvrons et prions. Et ce qu'on espère, c'est de voir 10 sites de l'Église de Portail et 10 000 disciples. Et pour y arriver, on a un plan, notre plan de formation disciples. C'est l'acrostiche disciple, donc c'est les 8 marques, le fruit de la vie du disciple. Donc le disciple de Jésus, on va encourager tout le monde, toi inclus, à passer au travers ces 8 étapes. Premièrement, le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui s'immerge, c'est quelqu'un qui se fait baptiser, une déclaration extérieure d'une œuvre intérieure. Troisièmement, S, c'est quelqu'un qui sert les gens autour de lui. Quatrièmement, le disciple de Jésus connecte avec d'autres disciples de Jésus. Le disciple de Jésus invite son entourage non chrétien à suivre Jésus. Viens et vois. Ce matin, on va parler de la prière. Le disciple de Jésus, êtes-vous d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui prie, qui croit à la puissance de la prière. Donc, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui s'engage envers son église locale. Donc, ce matin, j'aimerais parler de la prière. Et avant de parler de la prière, on a tous nos définitions de la prière. Et c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Cette semaine, je lisais dans le journal, c'est une belle analogie. Vous savez que le mur, on parle beaucoup d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et en Californie, il y a ce mur, on a une image. Et on a décidé dernièrement de bâtir une passerelle, un tunnel, un pont pour relier le Mexique aux États-Unis, précisément à la ville de San Diego. Et c'est intéressant parce qu'on disait que les Mexicains ont commencé d'un côté, les Américains ont commencé de l'autre côté, et l'idée c'était de se retrouver au milieu et on ne savait pas si c'était pour fonctionner parce que les deux n'utilisent pas le même système. Les Mexicains utilisent le système métrique alors que les Américains utilisent le système impérial. Donc, ce n'est pas les mêmes chiffres parce qu'il doit y avoir une conversion. Et finalement, ouf, tout le monde est arrivé au même endroit. Et je me disais, quelle belle image de ce que Jésus a fait dans nos vies. Le prophète Ésaïe va dire, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Par nature, il y a une séparation, il y a une muraille entre nous et Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et comme dans l'analogie où il doit y avoir une conversion, tu dois te convertir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire adopter ou adhérer à une église, se convertir. La conversion, ça veut dire adopter la version de Dieu qui dit que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Donc, c'est la première chose. Avant de parler de prière, on doit réaliser que la seule prière qui est efficace, c'est la prière au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre « Amen »? On n'est pas cheap sur les « Amen ». Et la définition de la prière est la suivante. La prière est une communication avec un Dieu personnel. C'est important. La prière, c'est une communication. C'est-à-dire, souvent, les gens vont dire, quand quelqu'un est dans l'épreuve, on va dire « Je t'envoie des pensées positives. » C'est gentil, mais ça ne sert à rien. Les pensées ne changent rien. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une communication, c'est-à-dire tu pries et Dieu répond. Une pensée n'a pas d'impact. C'est plein de compassion, c'est très humain, mais ce qui est efficace de prier, c'est la communication d'un Dieu qui peut répondre à ta prière. Et c'est pourquoi je ne crois pas que les chrétiens vont dire, « Ah, souvent, j'ai un souhait, j'envoie ça dans l'univers. » Parce que l'univers, c'est rien. De la même manière, le chrétien ne dit pas « merci la vie » parce que derrière la vie, derrière l'univers, derrière la providence, il y a un Dieu que nous connaissons personnellement. Donc, la prière, c'est une communication avec un Dieu personnel. Maintenant, pourquoi et comment prier? Ce matin, on va regarder à la vie de prière de Jésus. Le disciple de Jésus est comme Jésus, doit prier comme Jésus. Et je dois vous dire, j'étais très, très édifié cette semaine alors que j'étudiais la vie de prière de Jésus, ça a stimulé ma vie de prière. Et contrairement à mon habitude, j'aime avoir prendre des passages et approfondir la parole de Dieu, me laisser impacter par la parole de Dieu. Maintenant, ce matin, je vais prendre plusieurs passages pour brosser le tableau de la vie de prière de Jésus. Donc, si vous êtes prêts, est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia! OK, Luc 3, 21, tout ça commence. Jésus est celui. Avant de vous dire le principe, on va lire le verset. Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il survint une voix du ciel
disant « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Première chose, mes amis, Jésus était celui qui avait le moins besoin de prier, mais est celui qui a le plus prié. Pensez à ça. Jésus, sur cette terre, est celui qui avait le moins besoin de prier. Jésus est omnipotent, il peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Nous, les croyants, ici au portail, nous prêchons beaucoup Jésus, mais pas seulement Jésus, parce que nous croyons en Dieu trinitaire. Nous croyons que Dieu existe éternellement en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, dans une parfaite unité interrelationnelle. Et c'est intéressant que Jésus, sa communion avec le Père et le Saint-Esprit est à 100%. Est-ce que quelqu'un ici, tu peux dire, moi, je vis 100% de ce que le Saint-Esprit est pour ma vie? C'est une prière, mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que quelqu'un ici, tu peux dire, moi, là, la volonté du Père, je l'accomplis à 100%. Jésus est celui qui avait le moins besoin de prière, pourtant, c'est celui qui a le plus prié. Voici mon point. Si c'était bon pour Jésus, ça doit être bon pour nous. Et Jésus, c'est intéressant, il a prié. En fait, quand on regarde à Jésus, Jésus est le suprême exemple de ce qu'il est possible de faire dans une vie humaine quand on dépend totalement du Saint-Esprit. La première réunion, les gens ont dit vraiment amen à ça. Moi, je trouvais vraiment ça bon. Je vais le relire, OK? On vous rappelle qu'il y a du café aussi le matin lorsque vous arrivez. Jésus est le suprême exemple de ce qui est possible de faire dans une vie humaine lorsqu'on dépend totalement du Saint-Esprit dans la prière. Et deuxièmement, Jésus le savait, Jésus priait chaque jour pour remettre sa journée entre les mains du Père. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se met à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent, « Tous te cherchent. » Il leur répond, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que là aussi, je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus, à ce moment-là, dans l'évangile de Marc, ça commence à décoller son ministère. Ça commence à bien marcher. Et dès le départ, Jésus prend un temps à chaque jour pour remettre sa journée entre les mains du Père. OK. Est-ce qu'il y a du monde comme moi, là, une des choses plates de la vie, c'est d'aller mettre du gaz. Du gaz. Aller mettre de l'essence. Je réalisais ça dernièrement. Comment? C'est une frustration dans ma vie. On dirait que c'est jamais le bon moment pour aller mettre de l'essence. Toujours pressé, puis là, tu pars le matin, t'as pas le temps, tu reviens, t'as pas le goût. C'est jamais le bon moment. C'est jamais un moment où tu te dis, quel bon moment pour aller mettre de l'essence. Aller mettre de l'essence, c'est jamais le bon timing, c'est jamais le bon temps, ça coûte cher. Est-ce qu'on s'entend que c'est plate? Personne, là, c'est excitant, là, t'as pas des émotions fortes, là, tu mets de l'essence, c'est plate. Là, avec l'hiver qui s'en vient, tu n'as pas le temps, c'est plate, ça coûte cher, puis il fait froid. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on n'a pas le choix. Vous avez le choix. Tu as le choix, tu n'es pas obligé. Il n'y a pas une loi, on ne va pas t'arrêter si tu ne vas pas mettre de l'essence. Nous mettons tous de l'essence parce que c'est nécessaire. Et à un moment donné, ta vie de prière, tu vas te rendre compte que quelquefois, ce n'est pas palpitant, que tu n'as pas le goût, tu n'as pas le temps, mais tu le fais parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est un devoir, c'est nécessaire pour avoir des collants divins dans ton petit cahier de bons chrétiens. Tu le fais parce que c'est nécessaire. Moi, je le vois dans ma vie. Quand ma vie de prière diminue, ma chair augmente. C'est relié. C'est bien pour mon âme. J'ai besoin de prier. C'est nécessaire. Et Jésus réalisait, encore une fois, c'est quelque chose de nécessaire. Et vous savez, il y a des gens qui disent, « Moi, je crois en Dieu. » Si tu peux passer une journée sans parler à Dieu, il n'est pas si important que ça dans ta vie. C'est comme si le médecin te dit, « Prends cette pilule à tous les jours. Cette pilule va diminuer ton angoisse, elle va te rendre plus performant, elle va vraiment faire une différence dans ta vie, elle va augmenter ton bonheur. Prends cette pilule. » Il n'y a personne qui va dire, « Ah, mais je n'ai pas le temps. » Tu vas l'apprendre parce que tu crois que c'est important. En fait, le problème avec la vie de prière, ce n'est pas tellement la vie de prière. C'est derrière, c'est la prière reflète ta voix. C'est Tim Keller qui va dire que ta vie de prière, et je vais lire parce que je veux vraiment bien le dire, le test infaillible de l'intégrité spirituelle est ta vie de prière.
Si on veut vraiment voir ta foi, allons voir ta vie de prière. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu existe. Et je répète un passage que j'ai beaucoup cité cet été, Hébreux 11, 6, où on va dire, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui ou celle qui le cherche. » La foi croit que Dieu répond à la prière. Et quand tu ne pries pas, c'est que tu ne crois pas quelque part que Dieu répond à la prière. Et Jésus priait chaque jour pour remettre sa journée entre les mains du Seigneur. Jésus, troisièmement, était trop occupé pour ne pas prier. Tu as bien entendu, trop occupé pour ne pas prier. Luc 5, 16. On parlait de Jésus de plus en plus, de grandes foules de gens se ressemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui se retirait dans le désert et priait. Lorsque j'ai fait mes études pour devenir pasteur il y a 20 ans, une des citations qui m'a le plus bouleversé, c'est celle de Martin Luther, le grand réformateur qui a vécu au 16e siècle. Et cet homme-là, dans un moment de réveil qui se passait plein de choses, extrêmement occupé, et voici ce qu'il écrivait. « J'ai tellement de choses à faire que je dois débuter ma journée par 3 heures de prière pour être capable de tout faire. » Wow! Je ne te demande pas de prier 3 heures. Mais il y a des gens, tu es tellement occupé, je pense que tu es capable de prendre 15-20 minutes en prière pour être capable de tout accomplir. Et voyez-vous, le problème, c'est qu'on voit la prière comme une perte de temps alors que c'est un investissement de temps. Je crois qu'une demi-heure dans la présence de Dieu va me permettre peut-être d'être plus efficace de faire en 4 heures ce que je ferais en 5 heures, 6 heures. Ça prend de la foi pour le croire. Un jour, une compétition, une histoire que j'ai déjà racontée, qui pour moi, là, exprime le mieux ce qu'est la prière et le temps. Une compétition entre 2 bûcherons, celui qui coupe le plus de bois. Puis là, à un moment donné, c'est toute la journée. Et là, il y en a un qui part. Boum, boum, boum. Et là, ça y va au toast, comme on dit en bon québécois, un arbre, 2 arbres, 3. S'arrête pas, mange un sandwich d'une main, frappe de l'autre. Continue, aucune pause. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire, d'abattre le plus d'arbres possible. Puis tu as l'autre côté qui régulièrement prend des pauses. Donc, il est là, il s'assoit. Puis là, il mange sa petite sandwich, prend son petit café. Et là, l'autre est là, il se dit, écoute, je prends de l'avance. Et à la fin de la journée, lorsqu'il y a le décompte, finalement, le vainqueur, c'est celui qui prend plein de pauses. L'autre dit, ben voyons donc, ça ne marche pas, comment ça se fait? Comment ça se fait que moi, je n'ai pas arrêté non-stop? Toi, tu prends des pauses et que toi, tu as battu plus de boulot, plus d'arbres que moi. Puis c'est simple, il dit, pendant que toi, tu prenais aucune pause, moi, pendant que je prenais une pause, j'affûtais ma hache. Le temps que tu sembles perdre fait en sorte, non seulement tu te reposes, mais tu deviens plus efficace. Quand le moment que je prends dans la prière, je me repose en lui, j'apprends à dépendre de ses propres forces, et non de mes propres forces, je suis plus outillé, mieux équipé spirituellement et je suis plus performant dans ma journée. Amen. Jésus était trop occupé pour ne pas prier. Jésus priait également avant de prendre des décisions importantes. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtre. Est-ce qu'on s'entend que Jésus est très sage? Est-ce qu'on s'entend que Jésus est perspicace? Jésus est capable de prendre ces décisions-là. Moi, si j'étais Jésus, t'envoies 12, OK, 1, 2, 3, 4, 5, tu prends 12, OK. Tu regardes les plus spirituels dans la gang, c'est les disciples. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Jésus prend un moment de prière toute la nuit. Il la passe en prière. Pourquoi? Parce que Jésus savait que chaque décision importante doit être baignée dans la prière. Avant de prendre une décision importante au niveau personnel, au niveau familial, conjugal, professionnel, au niveau financier, est-ce que tu passes du temps dans la prière? Et vous savez, passer du temps dans la prière, c'est pas qu'on n'est pas capable de prendre ses décisions et c'est pas que Dieu va t'envoyer un écriteau. Quelquefois, c'est simplement pour permettre à Dieu de confirmer la décision qu'on va prendre. Vous savez comment Dieu parle? Dieu parle de 3 manières.
Et quand tu prends une décision importante, ces trois éléments doivent être présents. Première chose, est-ce que c'est biblique? Dieu parle par sa parole. Moi, un chrétien qui me dit « Dieu ne me parle pas » et que tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est ridicule. Encore aujourd'hui, je connais ma Bible. Je la connais vraiment et je la lis le matin, puis Dieu me parle, il me bouleverse, il me remet en question, il me dérange. Dieu parle au travers de sa parole. Donc, Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose de non biblique. « Seigneur, je veux développer un système de magouille internationale pour faire des fraudes. Donne-moi la sagesse de l'esprit. » Premièrement, est-ce que c'est biblique? Est-ce que tu fais ce que Dieu bénit? Ne demande pas à Dieu de bénir ce que tu fais. Commence à faire ce que Dieu bénit. Je l'ai souvent dit. Deuxième chose, est-ce qu'est-ce que les gens spirituels autour de toi disent? Il y a des gens, quelquefois, là, tu as une décision, puis là, tu vas demander conseil à des gens autour de toi, puis tout le monde autour de toi te dit « Non, arrête, 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 puis tu continues. » En fait, tu ne veux pas tellement des conseils, tu veux juste trouver quelqu'un qui va confirmer ce que tu veux faire quand même. Donc, si les gens autour de toi, il y a des gens spirituels qui te disent non ou qui te disent oui, ou écoute parce que Dieu parle au travers des autres. Puis là, il faut faire attention. En même temps, la vie chrétienne n'est pas un concours de popularité. Moi, quand j'ai voulu rentrer dans le ministère, à un moment donné, il y a des gens qui disaient non, 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 on ne te voit pas là-dedans. Puis il y a quelques personnes minoritaires qui disaient possiblement que oui, l'appel de Dieu est sur ta vie. Donc, c'est important de bien d'entendre les bonnes voix, mais qu'est-ce que Dieu va dire? Le troisième élément est vraiment important dans ce cas-là, c'est Dieu parle par une conviction du Saint-Esprit. Moi, je prends un paquet de décisions à chaque semaine. La seule chose qui m'aide vraiment à rester sain, c'est que lorsque je me couche, est-ce que j'ai la paix sur les décisions que j'ai prises? Je me trompe, mais est-ce que, avec la lumière que j'ai, je fais mon possible? Est-ce que tu as une conviction? Il y a des gens, tu t'apprêtes à, et là c'est prophétique pour certaines personnes, il y a des gens, tu t'apprêtes à faire quelque chose, à prendre une grande décision, et tu n'es pas en paix. Arrête. Si c'est la volonté de Dieu, la paix va venir avec. Peut-être que Dieu te demande juste de ralentir. Et une des choses que je fais beaucoup avec les gens qui viennent me voir, souvent on me demande conseil, puis et c'est les lumières. Des fois, il y a des gens qui s'apprêtent à prendre de grandes décisions dans plein de domaines, domaines personnels, conjugal, professionnels, au niveau des finances. Puis là, je dis, attention, là, il y a une lumière, là, ça clignote. Je ne te dis pas que ce n'est pas la volonté de Dieu, je te dis juste que Dieu, là, il y a une clignote, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis des fois, il y a des gens qui sont devant moi, je dis, ça clignote de partout, ta situation, c'est un sapin de Noël, arrête, là, ça clignote. Mais c'est la prière qui va te permettre de gérer ces lumières. Donc, Jésus, encore une fois, fait choisir d'autres apôtres, mais réaliser l'importance de soumettre ses décisions à Dieu. C'est toujours là, dis « Amen ». Et regardez le prochain point, c'est intéressant. Non seulement Jésus prie avant, il prie après. Reste avec moi. Jésus priait non seulement avant de prendre une grande décision, il priait après une victoire ou un succès. Après la multiplication des pains. Voici ce que Jésus va faire. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Une des leçons spirituelles que j'ai apprises dans ma vie, c'est qu'après chaque grande victoire vient une grande attaque. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie, parce que lorsqu'on a une grande victoire, vous savez ce qu'on fait? All right! Et là, on n'est pas focus, on est distrait, on se relâche, et là, le diable te ramasse. La prière, non seulement c'est nécessaire avant, pendant, mais également après. Ça fait penser à cet homme, triathlon, l'homme, là, il est numéro un, il va gagner. Mais il célèbre trop tôt. Vidéo. Il y a des gens, c'est comme ça. Tu te maries, tu as ton nouveau travail, tu as décroché le contrat, finalement, tu as la percée que tu voulais. Hallelujah! Les chrétiens, souvent, on prie, on prie, on prie. Quand Dieu le fait, on fait d'autres choses.
Si c'est sur tes genoux que la bénédiction est arrivée, c'est sur tes genoux que tu maintiens la bénédiction. Il y a un principe spirituel très fort. Ce qui est gagné dans la prière est maintenu dans la prière. Regardez, Jésus priait pour ses proches. Je fais rapidement sur ce point. Je reviens. Point 5. Pourquoi Jésus va passer du temps en prière? Après la multiplication des pains, Jean va nous dire, va nous donner la clé. Le peuple voulait le couronner roi. Jésus va passer la nuit après la multiplication en prière, après le succès, après la bénédiction, après la victoire pour garder son cœur. Et souvent, lorsqu'on est dans l'échec, on est dans la présence de Dieu, puis on dit « Seigneur, aide-moi ». Mais dans la victoire, tu as besoin d'être vraiment dans la présence de Dieu pour rester humble et dépendant de lui. OK, là c'est vrai, je passe à l'autre point. Jésus priait pour ses proches. Un jour qu'il priait à l'écart et que les disciples étaient réunis autour de lui, Jésus leur demanda au dire des foules, « Qui suis-je? » Et pour vous, leur dit-il, « Qui suis-je? » Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Messie, donc le Christ de Dieu. » Jésus priait pour ses proches. Vous allez dire, « OK, c'est évident. » Juste une petite parenthèse ici. Je sais que plusieurs personnes, tu pries pour des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus, qui ne suivent pas Jésus. Et souvent, on ne réalise pas que le véritable besoin de nos proches qui sont sans Jésus, ce n'est pas un besoin de compréhension. Ce n'est pas un besoin de décision. C'est un besoin de révélation. Il y a un voile spirituel. Est-ce qu'on s'entend que Jésus peut être très convaincant? Et Jésus n'a même pas, par ses propres forces, convaincu ses disciples. Il a prié le Père d'envoyer le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est l'arme la plus puissante. Non seulement Jésus priait pour ses proches, Jésus avait des partenaires de prière. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, ils montèrent sur la montagne pour prier. C'est ce que j'aime avec les petits groupes. Tu as besoin de gens qui prient pour toi, puis tu as besoin de prier pour des gens autour de toi. Amen. 8. Jésus n'avait pas une vie de prière plate. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Est-ce qu'on s'entend que Jésus devait donner le goût à ses disciples de prier? Et là, il y a des gens peut-être que tu t'es joint à l'Église dernièrement, tu commences à suivre le Seigneur et pour toi, tu entends le mot prière et juste le mot prière, ça sonne plate. Quand on pense à prière, on pense à un mot en noir et blanc avec de la poussière. Et même certains chrétiens d'expérience, ce n'est pas le premier message que tu entends sur la prière et ta conception de la prière est erronée. Pour toi, la prière ressemble à ça. Tu te lèves le matin, tu sais qu'il faut que tu pries, ou le soir avant de te coucher. Alléluia, 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 alléluia. Là, tu es fatigué quand même, hein? Fait que là, tu commences alléluia, alléluia, alléluia. Ça sent le vécu. Que tous ceux qui se sont déjà endormis en priant disent « Amen ». Oh ouais! Parce qu'on a un modèle mystique de prière. OK, Jésus va, quand ils vont dire « Enseigne-nous à prier », il va leur enseigner le Notre Père, qui n'est pas une prière à réciter, c'est juste une structure pour leur montrer « Voici les cibles que tu dois atteindre dans la prière ». Moi, il y a plusieurs années, j'ai développé mon propre système. Je te le propose, faisant ce que tu veux, c'est un outil. Par exemple, quand je me lève, OK, moi, ça me prend du temps à me réveiller. Si je me mets à genoux à côté de mon lit, je me rendors. Là, c'est moi, OK, je te présente, je te dis pas si c'est la manière, je te présente ce que moi je fais, ça fonctionne pour ma vie, prends ce qui va. Puis s'il y a du monde, tu te lèves, mon épouse se réveille super rapidement, toi, tu te réveilles, là, « Allô! » Ça marche pour toi, c'est correct, mais moi, je me rendors, je suis pas comme ça. Donc, je me lève, je fais mon café, OK? Immédiatement, je m'assois et je lis ma Bible. La première chose. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ça me prend du temps à me réveiller. C'est trop facile d'aller sur Facebook, Twitter. Et je me suis rendu compte, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, Facebook ne va pas aiguiser ma hache. Twitter ne va pas aiguiser ma hache. Instagram ne va pas affûter ma hache. Pinterest va pas affûter ma hache. Si t'es plus jeune, Snapchat va pas affûter ta...
mais la Bible va affûter ma hache. Donc, je commence par la première chose. Si je mets d'autres choses avant ma Bible, puis là, je vais commencer à regarder des courriels, puis je suis parti. Donc, avant de peser play dans ma journée, là, je m'assois, puis là, je lis ma Bible. Moi, par exemple, je suis un bon lecteur. Mon café, là, ça prend à peu près 10 minutes à couler. 10 minutes par jour, je lis ma Bible. Je fais le tour de ma Bible en 10 mois, à seulement 10 minutes. Tu dis, moi, je suis un moins bon lecteur. 15 minutes par jour, tu lis ta Bible au complet dans un an. OK? Après, ce que je fais, donc, j'ai un acrostiche. OK? Les acrostiches, c'est le fun parce que ça nous aide. Prière. Donc, je commence avec la parole. Là, quand mon café est fini, OK, je vais prendre mon café. Là, je suis rendu à R. R, c'est la repentance. Je demande à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés d'hier. » Là, il y a du monde qui dit, « Moi, quand je prie, là, ça ne dure jamais longtemps. Repends-toi, ça va durer longtemps. » Là, pas juste comme, « Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Alléluia. » Non, non. Seigneur, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû. Seigneur, tu vois mon impatience. Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Tu vois la rage, tu vois ça, tu vois ta situation. Seigneur, je sais que tu me pardonnes, mais non seulement pardonne-moi, je veux que tu me délivres de ça. Puis là, alors que la condamnation est là, je dis, j'applique la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mon identité n'est pas dans mon péché, elle est en Christ. Dieu m'accepte totalement. Et là, je commence, je prie. C'est ça la repentance. C'est pas juste faire... Tu appliques la bonne nouvelle de Jésus à ta réalité, à tes péchés. Tu fais mourir le péché dans ta vie. Puis là, je fais ça. Puis là, quand j'ai tout confessé mes péchés après 4 heures... tu peux le faire en 2 minutes, mais c'est juste d'être conscient de ton besoin de Dieu. Là, j'ai fait PR. Là, après ça, c'est I, l'intercession. Là, je commence à prier pour ma femme, pour ma fille, pour mon fils, pour mon père, pour sa femme. Je commence à prier pour l'équipe pastorale. Si j'ai eu des situations, des gens qui m'ont envoyé des messages, j'ai rencontré des gens, je commence à prier de manière spontanée. Là, je prie pour eux. OK. Après, j'arrive à E. Ça, c'est l'élévation. Bien, dans la prière, il y a un moment de louange. Là, tu as 2 choix. Tu peux soit chanter un chant qu'on chante à l'église. Donc, tu peux partir comme « Mes chaînes enfin sont en... » Puis là, tu peux chanter mal, tu t'en fous, tu es tout seul. Ou, ce que tu peux faire, tu dois également développer, la Bible dit, « Il a mis dans mon cœur un cantique nouveau. » Ta propre louange. « Alléluia, je te loue Jésus, alléluia. » Juste, tu laisses. Non, ou tu peux, tu n'es pas obligé de chantonner, tu peux juste... Seigneur, tu es grand, tu es l'alpha l'oméga, tu es le rocher, tu es bon, tu es Seigneur, tu es le roi, tu es fidèle, tu prends soin de moi, tu es grand, tu ne mens pas, ta parole s'accomplit, je t'élève, tu es mon fondement, et là, mon rocher, ma forteresse, puis tu commences à proclamer qui Dieu est, tu offres ta louange. Quand c'est fait, j'arrive à R, remerciement, je commence à remercier Dieu pour mes bontés, les bienfaits qu'il me donne. Seigneur, merci. Quand je regarde dehors, là, moi, j'ai 2 érables matures à la maison. À chaque année, c'est à peu près 50 sacs de feuilles mortes que je dois. Puis là, je regarde les sacs, je regarde les feuilles, parce que les sacs ne sont pas faits encore. Puis je dis, Seigneur, merci pour ma maison. Je compte mes bienfaits. Merci pour ma famille. Merci pour le pain quotidien. Merci pour l'appel sur ma vie. Merci pour mon église. Merci pour... Puis là, je fais juste dire merci, comme ça, merci. Et après, on est rendu à quoi? Là, c'est l'écoute. Quelquefois, j'ai des décisions à prendre, je suis confus, je dis, Seigneur, parle-moi, montre-moi la voie, qu'est-ce que je dois faire. Et quelquefois, il y a des choses qui vont popper, des choses qui vont venir, mais simplement être attentif à la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours une grande parole, c'est juste un moment où Dieu me dit, là, maintenant, tu as beaucoup parlé, tais-toi un peu. Quand tu fais ça, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure. C'est pas important le temps. L'important, c'est d'avoir une discipline de prière. Ça va changer ta vie. Donc, de dire que Dieu est promis, que tout a toujours rapport avec Jésus, ça commence justement. Certains, il y a des gens, vous êtes du matin, d'autres du soir, et des gens, c'est le soir. Le soir, vous êtes hyper efficace. Moi, je suis très matinal. Toi, c'est le soir, c'est correct. À un moment... Prends le moment le plus propice, tu dis quand les enfants sont couchés, quand mon mari est couché, peu importe. Prends un moment, mais c'est important de trouver ce moment-là. Si vous êtes toujours là, dites « Amen ». OK, j'achève. Donc, Jésus n'avait pas une vie de prière plate. Et je vous mentionne que notre prochaine soirée de formation disciples, dans 2 semaines, on va parler justement de comment développer un culte personnel. Après un premier message, première soirée d'études sur la Bible, maintenant comment l'appliquer, comment développer.
cette dévotion, cette vie de prière au quotidien. Neuvièmement, Jésus combattait dans la prière. Luc 22, 31. Jésus va dire à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Tu vas en manger une, mais j'ai prié que Dieu te préserve. Tu vas avoir des épreuves. Je ne prie pas que tu évites l'épreuve, je prie que Dieu te préserve dans l'épreuve. » Wow! « Afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Tu as besoin de prier comme Jésus pour combattre dans la prière. Vous savez, pour un peu contextualiser, Éphésiens 6 nous dit de revêtir l'armure du croyant. Moi, je vois mes moments de prière comme si je mets un gilet pare-balles avant de commencer la journée. Le gilet pare-balles, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire tirer dessus. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'attaque. Ça veut juste dire que tu vas limiter les attaques qui sont contre toi. Ce n'est pas parce que tu pries que tu n'auras pas de problème. Mais parce que tu pries, tu vas passer plus facilement au travers les problèmes. Amen. Et il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de prier. » C'est comme le gars de la SWAT qui arrive dans une descente. Puis là, on lui dit, « Où ton gilet pare-balles? » Il dit, « J'ai pas eu le temps. » Trouve le temps. Et la prière, c'est ça, on prend. Et en même temps, moi, dans la vie, quand j'ai un moment, quand je sais que ma communion avec Dieu est solide, je sais que ça va bien. Et là, je ne parle pas du réflexe légaliste où on se dit, « OK, je ne me sens pas coupable parce que je suis correct. » Mais tu sais, quand tu sais que tu es en paix dans ta marche avec le Seigneur, ça te donne du courage dans la vie. Hein, c'est comme ton gilet pare-balles. Moi, je ne sais pas, m'envoyer dans une zone de guerre sans gilet, je n'ai pas la même assurance qu'avec le gilet. Mais c'est ça, la prière. John Piper va dire la chose suivante. La prière est un walkie-talkie en temps de guerre, pas un intercom domestique améliorant le confort des saints. Je le répète encore, je te donne une deuxième chance. La prière est un walkie-talkie en temps de guerre. Roger, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Envoyez les secours, envoyez les secours. C'est exactement ça, la prière. Et ce n'est pas un intercom domestique pour améliorer ton confort. Ce n'est pas « voici ma liste ». La liste est importante. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on se fait une liste, mais une liste pour nous-mêmes, pas pour la gloire de Dieu. On est tellement centré sur nous. Et Jacques va le dire. Jacques dit, « Vous priez, mais vous ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous priez mal pour satisfaire votre propre chair. Donc, ça t'aide à combattre. La prière, c'est là que tu combats. Il y a des victoires qui sont remportées dans la prière. Ceux qui le croient disent « Amen ». Vous savez, quelqu'un a dit « Je préfère me tenir devant le canon du méchant que devant la prière du juste. » Un mari qui prie, c'est puissant. Une maman qui prie, c'est puissant. Un patron qui prie, c'est puissant. Un employé dans une bâtisse, dans une business qui prie, c'est puissant. Et on croit tellement que c'est puissant, l'Église de Portail, qu'on veut non seulement prier plus, on veut prier mieux. Et différentes choses. Premièrement, dans les petits groupes, il y a de la prière à toutes les semaines. Donc, c'est dans plusieurs prières, une vie de prière. On vous rappelle également, et à Terrebonne et à Laval, qu'il y a de la prière avant les réunions. Il est possible, à Laval, par exemple, de 9h à 9h15, de 11h à 11h15, il y a un moment où, dans le sanctuaire, simplement, c'est dédié à la prière. Donc, c'est une bonne occasion d'être là. À Terrebonne, l'équipe se réunit. C'est différent avant la réunion, mais l'équipe se réunit. On a nos soirées mensuelles, louange qui est une forme de prière. Et oui, il y a de la prière pure. Et on veut également vous dire, on pense que c'est important pour prendre soin de nos gens, on veut relancer une chaîne de prière. Est-ce que vous pensez que c'est important de prier les uns pour les autres? Donc, trois choses que j'aimerais dire à ce sujet-là. Vous avez une requête. Vous avez un défi, vous avez une maladie, une épreuve, vous connaissez quelqu'un. Vous avez besoin de prière, simplement. On est là pour vous. C'est ça l'Église. Donc, envoyez-nous un courriel, requête. @commercialegliseleportail.com. Déjà, plusieurs le font. N'hésitez pas, on reçoit régulièrement des requêtes. Donc, envoyez-nous vos requêtes, on veut prier pour vous. Mais on a également besoin de gens qui vont prier pour ces requêtes-là. L'équipe pastorale, on le fait,
Mais on pense que plus qu'il y a de soldats qui prient, on pense que c'est important également d'être le plus grand nombre possible pour prier afin de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, si tu aimerais t'impliquer au niveau de la prière, ça implique quoi? Simplement de donner ton nom. Lorsque tu reçois le courriel, tu t'engages à prier, simplement. Tu dois simplement t'engager à prier. Et petite parenthèse, je devance un peu mon message sur « engage », le disciple s'engage. Pour la liste, pour la chaîne de prière, on demande, pour pouvoir recevoir le courriel, on demande que les gens soient membres. Vous savez, à l'Église de Portail, pas besoin d'être membre pour faire plein de trucs, mais pour l'enseignement, pour le leadership, on pense que c'est important de s'engager. Et on ne veut pas que la chaîne de prière devienne un peu les potins spirituels du Portail. C'est-à-dire qu'on envoie ça, juste n'importe qui donne son nom, puis ça se promène, puis il y a des gens qui sont plus ou moins là. Puis on veut, c'est important, on veut le traiter avec sérieux, puis on veut que ce soit des gens qui disent, ça c'est mon église, je m'engage envers mon église, je supporte mon église, je prie pour mon église, je prie pour ces gens-là, donc je suis sérieux. Donc c'est pourquoi on demande un minimum, on ne veut pas juste avoir 3000 noms, l'idée c'est d'avoir, peut-être en avoir moins, mais d'avoir des gens qui vont véritablement prier et qui disent, le Portail c'est mon église. Amen. Donc si c'est votre cas, allez donner votre nom. Puis si vous dites, ah, oh, moi j'aurais aimé ça, participer, mais je ne suis pas membre, j'ai une solution pour toi. Deviens membre. Puis quelqu'un d'autre dit, mais c'est quoi devenir membre? J'ai une solution pour toi. Sois là dans 3 semaines. OK. Et je termine avec ceci. Donc, la vie de prière de Jésus. Jésus est celui qui avait le moins besoin de prier, mais qui a le plus prié. Deuxièmement, Jésus priait chaque jour pour remettre sa journée entre les mains du Seigneur, entre les mains du Père. 3. Jésus était trop occupé pour ne pas prier. 4. Jésus priait avant de prendre des décisions importantes. 5. Jésus priait après une victoire ou un succès. Il priait pour ses proches. Il avait des partenaires de prière. Jésus n'avait pas une vie de prière plate. Jésus combattait dans la prière. Et finalement, Jésus priait pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Luc 22. Jésus sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez à la fin de ne pas entrer dans la tentation. » Puis il s'écarta d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Il se mit à genoux pour prier en disant, « Père, si telle est ta volonté ou ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Vous savez le problème avec la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que la volonté de Dieu, souvent, ce n'est pas notre volonté. C'est ça le problème. Quand la volonté de Dieu, c'est ma volonté, ça va bien. Et la prière, ça sert à te soumettre, à t'abandonner. Puis là, il y a des gens qui ont peur de la volonté de Dieu. J'ai tout entendu des gens dire, « Oui, mais si Dieu, sa volonté, c'est que je marie une femme laide que j'aime pas, je l'entends. » Si vous, non, je vous le dis, je l'entends. Inquiète-toi pas pour ça. Inquiète-toi pas pour ça. Encore une fois, la volonté de Dieu ne va jamais t'amener là où la grâce de Dieu ne peut te porter. OK? Donc, il n'y a pas de... Mais tout ça, la volonté de Dieu, il y a des gens qui ont peur de la volonté de Dieu. Et Jésus dit que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est toujours mieux que ta propre volonté pour ta vie. Parce que Dieu est bon. Et il faut apprendre 2 choses. Plusieurs années, on a invité un pasteur dans un événement missionnaire, une grande conférence. À un moment donné, un missionnaire qui est un docteur, qui est un médecin, qui mentionne que dans un endroit, il y a un dispensaire dans la jungle, puis ils ont besoin de 5 000 $ pour permettre le roulement annuel. Puis là, ils sont en déficit, ils vont faire faillite, puis ils ne peuvent pas continuer la mission, puis amener de l'œuvre humanitaire là, dans la jungle, des gens démunis. Et, à un moment donné, celui qui préside prend le micro et voit le pasteur bien connu, puis lui dit, « Pasteur, venez ici. On aimerait vous demander de prier pour ce besoin-là que Dieu pourvoit. Parce que vous êtes un homme de prière, vous êtes un homme de foi, puis on croit que ça va faire une différence, que votre prière va compter. Donc, priez que Dieu pourvoie ce 5 000. » Cet homme est arrivé. Regardez tout le monde, il a dit, « Je ne prierai pas pour ça. » Pourquoi? Il n'a pas à cœur la mission, il n'a pas... Il dit, « Le besoin, c'est 5 000 $. » Il dit, « Je vois, il y a plein de gens ici, vous êtes prospères. » Il dit, « Si tout le monde y met du sien, là, on peut ramasser 5 000 $ dans le temps de le dire. Donc, je ne prierai pas que Dieu pourvoie. Nous allons obéir, nous allons faire la volonté de Dieu et je vais prier pour remercier Dieu pour sa provision ensuite. » Ils ont ramassé 8 000 $ cette journée-là.
Voyez-vous, la volonté de Dieu, souvent, on est là. Puis le problème, ce n'est pas tellement la volonté de Dieu. On dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Le problème, c'est qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a révélé. Puis en fait, ultimement, c'est quoi? La prière sert à dire, Seigneur, je vais vivre par tes forces, par ton esprit, et non par mes propres forces. Permettez-moi de revenir avec mon exemple de bûcheron tout à l'heure. Un gars, à un moment donné, un bûcheron qui va s'acheter une scie mécanique, une chainsaw au Canadian Tire. Et le vendeur lui dit, cette scie mécanique, vous êtes capable d'abattre une centaine d'arbres dans une journée. Wow! Donc l'homme achète la scie, la première journée, seulement capable d'abattre 20 arbres. OK, peut-être que je ne suis pas habitué. La deuxième journée, trentaine. Il m'avait promis 100 arbres, mais là, seulement 30, il m'en manque 70. Là, je pense que je me suis fait avoir. La troisième journée, l'homme, il se donne à peu près 50. Et là, l'homme est frustré, donc il prend sa scie mécanique, retourne au Canadian Tire, puis lui dit, là, tu m'as vendu quelque chose, mais ça ne fonctionne pas ton affaire. Tu me dis 100 arbres par jour. Première journée, j'en ai eu 20, deuxième 30, troisième, là, en travaillant 50, je suis épuisé, là, je suis brûlé, je suis à bout. Il me dit, je comprends pas. Et on va vérifier ça. Donc, il prend la scie. L'autre, oh, ça fait du bruit, cette affaire-là! Plusieurs personnes, tu fais ta journée avec une scie mécanique en oubliant qu'une scie mécanique, c'est mécanique. Et cet homme-là s'est servi de la scie mécanique comme une scie par ses propres forces. Et quand tu pries, tu permets à Dieu d'exercer sa puissance au travers de toi, et tout à coup tu fais plus, mais ça demande moins parce que tu le fais par ses propres forces et non par tes propres forces. Et c'est pourquoi Jésus abandonne. Et je termine avec cette vidéo. Cette vidéo qui démontre que Dieu répond. Une petite fille qui est sur le quai voit un grand paquebot, puis elle fait signe. En bon québécois, le horn, le klaxon. Et voici ce qui prend place. Vidéo. Quels sont ceux qui croient que Dieu répond à la prière?